Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Verseau pour votre guidance amour pour ce mois d'août. On est parti, on y va sans plus tarder. Alors prenez vraiment ce temps pour vous, pour ce mois d'août, respirez, écoutez cette belle musique derrière. Et on y va. Voilà, vous pouvez prendre votre cahier tarot divinatoire que je vous ai créé. Hein. Bon, pour les abonnés, la communauté, vous le savez. Pour les nouveaux arrivants, j'ai créé un cahier. Vous pouvez vous l'offrir, offrir à vos amis en dessous, là, dans la description. Voilà, le plus important, sachez que vous pouvez noter votre tirage pour qu'il soit intégré en vous, pour que vous deveniez en fait une personne meilleure que ce que vous êtes à l'heure actuelle. Voilà les amis, c'est parti et on va voir ce qui va se passer. Vos propres atouts ici, on a ici Pélineur et la Dame. Un adieu doux amer doit s'effectuer en vous dès à présent. Si vous voulez plus d'amour, il va falloir devenir plus. Et pour devenir plus, cela demande un effort. J'ai pas dit obtenir plus. La majorité des gens ont plus. Ils font pour avoir. Ils gagnent de l'argent, ils en ont et ils dépensent. Alors que si tu veux devenir plus, c'est développer ton être spirituel. N'oublie pas, mon ami, que tu n'es pas un être humain. Tu es avant tout un être spirituel vivant une expérience humaine sur cette planète Terre. Elle est limitée, surtout. Ne me crois pas, mais réfléchis un petit peu. Médite sur ça, et tu verras que des révélations arriveront à toi. Pose-toi un moment. Et tu verras que, dans le silence, beaucoup de réponses t'apparaîtront. D'ailleurs, pourquoi tu te noies dans l'alcool, dans la drogue? Pour fuir cette sensation de vide intérieur, de manque, d'amour en toi? Tu fuis avec la nourriture, l'alcool, la cigarette, etc., etc. Ne te mens pas. Je n'ai pas peur. Vraiment? Tu n'as pas peur? Oh! En permanence, je vous accompagne et je sais que certaines personnes me disent « Oui, moi je n'ai pas peur. » Ah bon? Alors, tu es heureux, heureuse en permanence. Et c'est très bien comme ça. Donc les obstacles dans ta vie, si tu veux avoir plus d'amour, avoir et devenir plus, aîné et le protecteur te l'indique que tu es né innocent et que tu es né pour réussir. Tu es ici, pas par hasard, ne l'oublie pas. Tu as cette boule d'énergie, ce feu sacré à l'intérieur de toi. Et une fois que tu affrontes la propre bête intérieure, cette force intérieure qui est en toi, va te permettre de réussir l'impossible. Que tu me crois ou que tu ne me crois pas, peu importe. C'est en effectuant des actions bien précises dans ta vie que tu obtiendras des résultats miraculeux. D'ailleurs,
Gwyn et Héloïse t'indiquent que c'est grâce à ta communication interne, grâce à tes propres pensées positives, boostantes, énergisantes, relaxantes, et non stressantes, blessantes, humiliantes, que tu vas améliorer ton amour et celui des autres. N'oublie pas que tout est amour, sensualité. Ta propre pensée d'amour te sera bénéfique jusqu'à la fin de ton existence. Mais toi seul peux choisir d'être dans l'amour et de faire cet effort jour après jour. Alors, comme tu vois sur du court terme, se mettre beau, belle, physiquement, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel, pour se faire accepter dans cette société du monde extérieur. Mais il n'y a pas que la beauté physique, il y a aussi cette beauté intérieure. Et d'ailleurs, les furets papillons te l'indiquent. De renaître. C'est en étant toi-même différent, en montrant l'exemple aux autres, en étant humble, car même si tu as beaucoup de connaissances, il y aura toujours des personnes beaucoup plus fortes intellectuellement, physiquement, mentalement que toi. C'est une pure vérité. Mais tu ne dois en aucun cas te dévaloriser car tu as des valeurs. Et chaque être humain a sa place sur cette planète. Que tu veuilles l'admettre ou pas. Alors tu vois la synthèse de toute cette guidance amour, mon cher ami Verseau, ma chère amie. C'est que tu as besoin de prendre ta place. Alors cesse ce ruminement intérieur de croire que tu n'es pas capable. Cesse l'ego t'envahir en te disant des vilaines choses. Je ne suis pas aussi jolie. Je suis trop grosse. Je suis trop blanche. Je suis trop bronzée. Je suis trop noire. Je suis trop ceci. J'ai des grands pieds. J'ai des grandes oreilles. J'ai une petite bouche. Etc. etc. Cette ombre qui est à l'intérieur de toi ne doit pas prendre autant de place. Alors, dis adieu à cette bête, à cet ego surdimensionné et accepte l'intelligence émotionnelle de ton cœur. Écoute ta guidance intérieure qui vibre sur la fréquence de l'amour et tout ira bien. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te remercie de ton abonnement et je te retrouve très prochainement.